Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. On n'a pas tous les jours 150 ans, c'est le cas de Notre-Dame de Vouise à Voiron qui vient de se refaire une beauté. On en parle dans quelques minutes avec vous. Lydia Mogor, bonjour. Bonjour Marie caroline Vous êtes adjointe au maire de Voiron en charge du cadre de vie et de la sécurité. À vos côtés, Marc Songozy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous directeur du centre technique de la ville et on se retrouve si vous le voulez bien après le sommaire et l'actualité de la semaine. Une nouvelle offre hospitalière pour Voiron et le pays Voironné dans quelques mois. Les travaux avancent bien sur la zone des marteaux pour un hôpital qui mise aussi sur l'environnement. Vous y avez peut-être joué lorsque vous étiez enfant, mais eux ont décidé de faire durer le plaisir. Et pour la gagne, en plus, une compétition de caisses à savon a eu lieu ce week-end à Saint-Bueil, dans le nord du pays voironnais. Et puis, dans l'agenda, c'est ce week-end, les 6 et 7 octobre, la fête de la science. Les MJC du pays voironnais mutualisent leur matière grise. Et venez aussi rencontrer un voironnais qui œuvre pour la planète. De mémoire de Voironnais, le projet d'un nouvel hôpital remonte à plusieurs décennies. Mais cette fois, ça semble bien parti. Les bâtiments prennent forme sur la zone des Marteaux, à quelques minutes du centre-ville et près de l'autoroute. Le bâtiment de 28 000 m2 offrira 288 places et permettra de réaliser plus de 31 000 séjours par an. Mathias Araez a enfilé sa tenue de chantier. Seulement sept mois après les premiers travaux de fondation, le futur centre hospitalier de Voiron sort progressivement de terre et à vitesse grand V. Un temps freiné par des problématiques administratives, le chantier primordial pour le territoire verra bien le jour. Avec un bassin d'environ 160 000 habitants, il était nécessaire d'avoir un équipement adapté. D'autant plus que c'est nécessaire aussi, puisque vu les conditions d'hébergement, les conditions de travail dans les. Dans, dans l'établissement actuel, avec des voies d'accès extrêmement contraintes, il était absolument indispensable d'avoir ce nouvel équipement. Intégré au plan de zonage de la loi Pinel en 2013, Voiron et plus largement le pays voironnais connaît un développement fort de son attractivité auquel concourt l'installation d'une structure hospitalière moderne. Quand on se pose la question de savoir ce qui permet à un territoire d'être dynamique, d'être attractif et de faire en sorte que des populations nouvelles y convergent, incontestablement les questions de santé, elles arrivent en tête de la pyramide. Euh, parce que la capacité qu'on a pour les gens à savoir bah, qu'ils peuvent se soigner, qu'ils peuvent soigner leur famille, leurs proches, qui a la capacité à faire face à des pépins de la vie, qu'on a des services de médecine, de chirurgie qui sont performants, bah, ça fait partie de, de ce qui concourt à ce qu'on soit tranquille dans son esprit et à ce qu'on soit bien là où on vit. Au total, ce sont environ 110 millions d'euros investis sur le projet, 92 pour le chantier et une quinzaine pour l'achat des terrains et les travaux de voirie. Et un effort particulier a été fait pour intégrer l'environnement et les espaces verts. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2019. C'est certainement un des moyens de transport les plus écologiques qui soit, pas d'essence pour avancer, simplement une forte pente et un nom inspiré par leur forme. Les caisses à savon étaient de sortie dimanche à Saint-Buay, tout en haut du pays voironnais un rallye où plaisir et sécurité font bon ménage. Mathias Araez et Lina Badreddine. Les fous du volant sont lancés pour la sixième édition de cette course de caisse à savon. De l'église à la mairie de ce petit village, des voitures pas comme les autres descendent la piste à toute vitesse. Des plus originaux aux plus communs, ces mini-véhicules respectent la même contrainte ils n'ont pas de moteur. Alors, avec seulement des freins et un volant pour piloter, l'adrénaline se fait sentir. Les sensations qu'on ressent quand on descend, ben c'est de la vitesse on est à ras-le-sol. On prend un plaisir de fou, on se fait vraiment plaisir. Il y en a plein, il y a la peur quand on va vite. Et la joie parce que c'est marrant, ça fait amuser tout le monde, donc c'est pour les autres qu'on le fait. Il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de vitesse, donc ça fait pas mal de sensations, euh, de sensations, fortes, mal de sensations fortes. Dans cette descente d'environ 500 mètres, les coureurs atteignent parfois 80 km heure. Gare au virage donc, mais pour l'instant, heureusement, tout roule. Dans le fossé, qui est un peu plus loin, euh, une année, il y en a qui se sont retrouvés euh, dans le fossé, heureusement, sans gravité. Euh, parfois, ils sont un peu sur deux roues, euh, donc euh, ça fait froid dans le dos. Mais ils prennent quelques risques, mais bon, on n'a jamais eu de blessés à, à dénoncer, donc ce qui est, ce qui est une bonne chose. L'objectif étant du spectacle, mais en toute sécurité. On a eu une année, une caisse, c'était un caddie de, de supermarché. Là, vous verrez, il y a une caisse qui est très haute sur pattes, donc euh, bah, ça fait un petit peu peur dans les virages, mais euh, peur pour les spectateurs. Apparemment, pour les chauffeurs, euh, ils ont la pêche. <laughs> Ils étaient une trentaine à prendre la route pour cet événement. Le jury note les performances sur la vitesse, mais surtout l'originalité de la caisse. Mieux vaut alors suivre sa propre ligne de conduite. Et si ça vous tente, il existe une fédération française des caisses à savon qui organise un championnat de France. Le dernier a eu lieu en Savoie, à Sainte-Marie-de-Queen, début juillet. Les basketteuses boironnaises se sont fait une petite frayeur samedi dernier à Chautard, mais elles se sont finalement imposées 63 à 56 contre Orthez, après avoir été largement menées à la mi-temps. Pour la quatrième journée de National 1, le PVBC se déplacera à Colomiers le 13 octobre, avant de recevoir Annemasse le. Samedi suivant. Et puis, dans le championnat de fédéral 2 de rugby, le Sauve qui n'a pas joué le week-end dernier se déplacera à Annonay dimanche 7 octobre. Je me tourne à présent vers mes invités. Lydia Mogor, je rappelle que vous êtes adjointe au maire en charge du cadre de vie et de la sécurité. À vos côtés, Marc Sonzoni, vous êtes-vous directeur du centre technique de la ville? Si Marseille à Notre-Dame de la Garde, voirons à Notre-Dame de la Vouise, installée sur la colline du même nom il y a 150 ans. Alors rapidement, on va faire un petit point d'histoire. Il s'agit d'une réplique de la statue de Notre-Dame de France du Puy-en-Velay. Une réplique à l'échelle 1,5. Elle a été construite par Charles Hérold et pour la financer, une loterie, une sorte de loterie du patrimoine avait été lancée à 50 centimes le billet, ce qui a Permis quand même de récolter euh, 10 000 francs à l'époque. Euh, Lydia Mogor, pourquoi euh, la ville a-t-elle décidé de lancer une rénovation sur cette Notre-Dame de Wiz Alors on, déjà, on a commencé euh, fin d'année, euh, fin d'année 2017, en éclairant, en illuminant Notre-Dame de Wiz avec des panneaux photovoltaïques. Et suite à, à, ces, à cet éclairage, on, on a eu pas mal aussi de messages des Voironnais qui demandait quand elle pouvait être un peu nettoyée et on a profité des 150 ans pour lui refaire une beauté et qu'elle soit toute belle. Alors qu'est-ce qu'il était prévu de, de faire Qu'est-ce qu'on voulait faire au début pas, pas tout okay. refaire en fait, il fallait déjà qu'on se renseigne sur euh, déjà quels matériaux, de quoi comment était faite euh, Notre-Dame de Vouise. Donc euh, c'est pour ça que avec Dolores Zambon, Marc Sonzoni euh, qui est plus spécialisé euh, là-dedans, on a voilà, on a su que du cuivre et on a commencé à, à bah, chercher une méthode pour le nettoyement pour, pour pouvoir la nettoyer voilà. correctement donc euh, Marc Sonzoni je crois que vous avez fait euh, des, des tests même on n'est pas arrivé tout de suite avec euh, le balai la brosse pour nettoyer Notre-Dame il a fallu faire des tests oui tout à fait on s'est posé la question un petit peu de, de, de traitement sachant qu'aujourd'hui on peut traiter des métaux euh, de façon euh, j'ai envie de dire assez écologique et, et il se trouve que on n'avait pas les moyens de le faire sur le cuivre le, le... Euh, voilà, un traitement avec un produit aurait été chimique. Donc, on s'est orienté un petit peu assez rapidement sur le, sur le, sur le sablage. Euh, alors après, voilà, il a aussi fallu trouver le matériau euh, qui n'abîmerait pas le, le, le cuivre et qui se contenterait d'enlever de, de, l'oxydation. Le, 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 et c'est ce qu'on a pratiqué. On a, on, a, on a utilisé la technique du gommage, de l'aérogommage. D'accord, comme chez l'esthéticienne <laughs> C'est euh, euh, quand même un chantier dans un environnement particulier. Il a, à l'époque, les pièces avaient été euh, montées une par une. Et là, comment euh, vous avez procédé Alors, on a euh, pu accéder euh, avec des engins 4x4 ou, ou quad euh, sur la colline grâce à la participation de propriétaires. Euh, ils ont laissé passer sur leur ils terrain. Ont aussi. Euh, les chemins d'accès sont des sentiers, certains faits par des propriétés privées. Donc, euh, on a eu cette démarche-là. On, on peut les remercier euh, aujourd'hui, euh, sachant que l'utilisation des véhicules à moteur sur ces chemins reste interdite. Voilà, on a fait une petite ex exception. <laughs> euh, C'est assez vertigineux comme travail. Vous avez fait appel à, au service technique de la ville ou une entreprise en particulier donc on a fait appel à des prestataires euh, pour l'ensemble le, des travaux. Les services de la ville ont coordonné, ont approvisionné les matériaux, euh, ont géré le, le, les accès, mais on a fait appel à des prestataires, euh, donc un euh, cordiste pour, euh, pour, pour euh, traiter à l'aérogommage, euh, des maçons pour reprendre le, le, le crépit du promontoire et puis une association euh, voironnaise pour euh, la peinture du garde-corps. Donc, qui sont elles les deux derniers points des, des choses plus structurelles, quoi, qui, est, qui sont tout aussi importants puisque justement, euh, qui redonnent. À... Là, on voit on a bien vu sur les images que c'était, enfin, c'est le jour et la nuit. Hein. Euh, ça a duré combien de temps ce chantier On a démarré début août et les, les, les dernières opérations, là, de peinture du garde-corps, ont été réalisées là, il y a une dizaine de jours. Et comme à l'époque, en 1868, c'est un évêque qui est venu à la fin des travaux. Oui, qui est venu Oui, on a fêté donc les 150 ans avec euh, donc un discours du maire et monseigneur de Kerimel, euh, qui est le 23 septembre. Voilà, l'évêque de Grenoble et Vienne qui est venu euh, lors d'une cérémonie euh, express. Euh, pour être complet sur la question, je voulais également vous dire que c'est donc une Vouise toute neuve qui accueillera dimanche 7 octobre la troisième édition de Tous ensemble à la Vouise, un événement pédestre et festif pour sensibiliser et récolter des fonds pour la recherche contre les Mickey, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Le premier départ, c'est à 9h. Au collège de la Garenne. Merci beaucoup à tous de les faire deux, bien une, sûr. Une petite promotion. Oui, ah, mais évidemment du, parce que de la plaquette des sentiers d'avoise. Sentier de on la trouve à la mairie, j'imagine. On la trouve à la mairie, et à l'office du tourisme. Elle détaille tous les chemins qui y mènent. Et, euh, et je et pense tous que bouize, et tous les chemins mènent à l'avoise ou presque. Chemins mènent à c'est une, une <laughs> promenade euh, très sympathique. Donc voilà, on peut inciter les gens. Et à... voilà. puis il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup à Merci. tous les deux. On enchaîne avec l'agenda. Tous unis pour la fête de la science, les MJC2, Voirons, Vorep, Rive, Labuis et Tulin participent à l'événement national ce week-end et vous attendent les 6 et 7 octobre à la salle de l'arrosoir à Vorep. Objectif, mettre les femmes scientifiques à l'honneur et rendre la science accessible à tous. Parmi les thématiques abordées, les énergies solaires, l'infiniment petit ou la fibre optique, une exposition, un challenge de robotique ou une web radio viendront compléter les ateliers et les stands. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer le monde à son échelle. C'est en partant de ce constat que Julien Vidal, un jeune Voironnais, a développé il y a un peu plus d'un an un site internet baptisé Ça commence par moi. Chaque jour, il postait une idée pour inventer une société plus heureuse, plus soucieuse de l'environnement et des individus. Ça commence par moi. C'est désormais aussi un livre que Julien Vidal dédicacera vendredi 5 octobre à 19h30 à la librairie Colibri, 6 rue Adolphe Perronnet à Voiron. Déjà quatre décennies que Brel nous a quittés. Le souvenir du grand Jacques est toujours bien présent. Pour revivre quelques grands moments sur grand écran, le cinéma Passerelle, programme mardi 9 octobre à 19h30, ne nous quitte pas. La réunion des concerts de Jacques Brel à Knock-le-Zout en 1963 et de ses adieux à l'Olympia trois ans plus tard. Des copies restaurées à la gloire de Mathilde, Jeff, Madeleine, ces gens-là et les autres. C'est ainsi que s'achève ce JTD Voironné. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.